Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui. L'Eloi Nishmat, Rivka Batara, Rachel Rachel Batara, Moshe Ben Sultana, Moshe Michael Ben Machlouf, Zohara, Rosette Batultana, Rav Yisrael Ben Masimcha, Zohara Ben Zaltov Shishbortish. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Batra, Perektet Mishnah Tet. Naval Abayt Alav, Vealishto. Yorshe Abaal Omrim, Haisha Met Arishona, Vacharkach Met Abaal. Yorshe Aisha Omrim, Abaal Met Rishon, Vacharkach Met Aisha. בית שמאי אומרים יחלוקו, ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן. כתובה בחזקת יורשי הבעל, נכסים הנכנסים ויוצאים ממה בחזקת יורשי האב. Même principe que la Mishnah précédente, avec à présent des personnages différents. Une maison, on traduit tout de suite, Nafal abayt alav ve'alishto. Une maison s'est effondrée sur lui, un homme, ve'alishto, et sur sa femme. Bien sûr, ils sont tous les deux partis, décédés, et après les Shiva, les héritiers de chaque côté commencent à se taper dessus. Soit le mari, ils n'ont pas d'enfants en commun, bien sûr. Il y avait le mari, il a soit des enfants d'une autre femme, soit des frères, soit son père, peu importe. Et il y a le côté de la femme, qui de son côté, elle a ses frères. Ouais, des enfants d'un autre mari aussi, possible. Et qui hérite, puisqu'on hérite la mère. Et ou ses frères, on va prendre frère contre frère, comme ça on va être tranquille. Et ce qui se passe, c'est que il y a un gros enjeu. Avant de faire le bilan des différents enjeux de cette situation, on va d'abord lire, traduire, et puis après on explique. On arrive jusqu'à Beth Hillel d'abord. Yoshe Abaal, Omrim, les héritiers du mari prétendent Haisha Metarishona, la femme est d'abord décédée, Vachakach Metabal, et seulement après le mari est décédé. Yoshe Haisha Omrim, tandis que les héritiers de la femme disent non, Habal Metarishon, c'est le mari qui est décédé le premier, Vachakach Metahisha. Et seulement après, la femme est décédée. Dans ce cas-là, Beth Shammai Omrim Yachloku. Beth Shammai nous disent, on partage. Et Beth Hillel, avant de le lire, on va d'abord expliquer combien de biens sont disputés dans toute cette histoire. Il y a plusieurs situations. Tout d'abord, lorsqu'un mari se marie avec une femme, il s'engage que s'il décède avant elle, on rappelle, la femme n'hérite pas le mari, mais touche uniquement sa ktouba. Tandis que le mari hérite de sa femme. Soit une femme qui décède, le mari prend tous ses biens, ils lui appartiennent. Tandis que lorsqu'un mari décède, la femme n'hérite pas des biens de son mari, elle reçoit uniquement sa ktouba. C'est quoi la ktouba? Alors il y a ce qu'on appelle la ktouba sèche, ktouba tmanematayim. Il y a une somme minimale plus un ajout qu'on fait, chacun sa ktouba, selon ce qu'il s'est engagé le jour de son mariage, quand il écrit la ktouba. 18 000, 180 000, 260 000, on aime bien les gamatriotes pour ça, faites attention quand même. Concrètement, on s'engage à donner une certaine somme que, puisque la femme ne va pas l'hériter, on ne va pas laisser une almana à 50 ans, 60 ans, 70 ans la jeter sans aucun bien. Le mari s'engage et lui dit, écoute, en cas de problème, Halila, si il part avant elle, il lui laisse une certaine somme et elle pourra vivre avec pendant un an, deux ans, trois ans, selon ce qu'il s'est engagé. Il y a plusieurs engagements en réalité. Il y a des tas de maisonnotes, il y a des choses très intéressantes. En tout cas, ce n'est pas notre sujet, ça se trouve dans les Sechet Ktubot, Seder Nashim. Ça, c'est la Ktubat Mané Mataïm, ce qu'on appelle, parce qu'on a un minimum à donner de 100 mané ou de 212. 212, un mané, 112 ou 212 selon la femme, si elle était jeune fille ou pas. Et à part ça, il y a les ajouts qu'on ajoute. Ça, c'est la première notion de Ktubat. À part ça, le mari, il y a encore deux autres choses qui interviennent, qui entrent en ligne de compte dans la ktouba, qui sont Nirse Milog et Nirse Tzad Marzel. La femme a des biens. Supposons, une femme qui a une maison, une femme qui a des tas de choses, un trousseau qu'elle a, elle a des serviettes, elle a des draps, elle fait entrer tous ses biens dans la maison de son mari. Maintenant, le mari, en se mariant, il reçoit le droit de les exploiter, de les utiliser, tous ses biens. Mais il y a quand même deux sortes de biens. Il y a des biens qui restent concrètement à la femme, mais que le mari a juste le droit de les exploiter. Soit elle a son appartement, l'appartement appartient à la femme. Moi, je n'ai pas le droit de partir le vendre, mais j'ai le droit malgré tout que de chercher de locataires, de l'exploiter, de le louer, tout ça. Et c'est moi qui touche qui prend, d'accord, ça m'appartient. C'est ce que ces biens vont produire, ça m'appartiendra tant qu'elle est mariée avec moi. Et à part ça, ce qu'on appelle les Nirse Tzon Barzel. Les Nirse Tzon Barzel, ce sont des biens qu'elle fait entrer lorsqu'on se marie, et que quand elle les fait entrer dans la maison, alors ils m'appartiennent, et je suis juste engagé qu'en cas de problème, je dois lui rembourser tout ce qu'elle a fait entrer.
D'accord, sa dot qu'elle a fait entrer, je dois la lui rembourser. Elle a fait entrer, par exemple, l'équivalent de 1000 shekels de draps et de linge de maison, par exemple. Lorsque ça rentre dans la maison, c'est à moi, en cas de divorce ou de décès. Et alors, le mari doit lui rendre les 1000 shekels. Si les draps se sont abîmés, il devra lui donner 1000 shekels. Il aura les draps, il complétera. D'accord, ce sont deux sortes de biens. C'est important de faire le, de bien comprendre la différence entre Nirsé Milog et Nirsé Tson Barzel. Nirsé Milog, c'est ce que la Mishnah va appeler Nirnasim, Anirnasim, Yosim, Mima. Ce sont les biens qui a le, où il y a juste le capital reste à elle. Moi, j'ai juste le droit d'utiliser sans garantir le capital. Tandis que Nirsé Tson Barzel, lorsqu'elle est fait entrer, il m'appartient et je dois juste, je garantis le capital. D'accord ? Je ne sais pas comment on va les définir concrètement au délai parce que ça ferait une différence pour comprendre la vie de Beth Hillel. À part ça, il y a encore autre chose que la Mishnah ne va pas évoquer, mais ça peut se déduire facilement. Ce sera le simple fait que. Non, c'est inclus en fait. Ce sera le fait que le mari hérite sa femme. Donc en fait, maintenant, on revient dans notre situation de la Mishnah. Le mari et la femme sont décédés. Si le mari est décédé le premier, alors la femme, pendant 2 minutes, le temps qu'elle aussi. Sa neshama monte au ciel. Alors, elle aura tout d'abord reçu sa ktouba. Tous les biens, Nirsé Milog et Nirsé Tson Barzel qu'elle aura eu, lui appartiendront, lui reviennent, puisque maintenant elle est redevenue célibataire. Et quelques secondes après, elle décède elle aussi. Donc, tous ses héritiers reçoivent tout ça. Toutes ces ktoubot, ces trois formes de ktouba. Et si toutefois ça s'est passé à l'envers, c'est la femme qui est décédée à la première. Le mari, il a hérité de sa femme. Il a pris tous les Nirsé Milog, tous les Nirsé Tson Barzel, toute la Ktouba. Il n'aura plus de Ktouba à payer, la fameuse 100 et 212, plus le supplément. Il héritera des Nirsé Milog, tous les biens lui appartiendront, les Nirsé Tson Barzel aussi. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas qui est décédé le premier, et il n'y a personne qui est Mourzak, il n'y a personne qui détient les biens jusqu'à preuve du contraire. On pourra présumer personne comme quelqu'un qui détient les biens. Alors là, on a le problème. Alors Beit Shammai va nous dire il y a Chaloku, ils devront se partager. Il y a ici une dispute entre les héritiers du mari et les héritiers de la femme, alors ils se les partageront. Il n'y a pas de Mourzak. Il y avait pour le moment un couple, on ne sait pas est-ce que les biens ils sont passés comme ça ou comme ça. Dans le doute qu'ils sont faits, ben on coupe la part en deux et on fait il y a Chaloku. Ça c'est la vie de Beit Shammai. Maintenant Beit Hillel il va nous dire non, on va commencer à s'intéresser à celui qui est Mourzak. Et Beit Hillel nous dit trois choses. Beit Hillel Omrim, Nechassim Bechezkatan. Les biens sont Mourzakim. Celui qui les détient, les détient. C'est une phrase bizarre qu'on expliquera en troisième. Juste après. Maintenant, Nechassim Bechezkatan. Les biens restent dans leur Mourzakout. Dans celui qui les détient, chez celui qui les détient. Ktouba Bechezkat Yorshabal. La Ktouba, l'histoire des 100 et 212 et du supplément. Alors, ce seront les héritiers du mari qui les garderont. Nechassim, Anichnassim, Veyotzin, Ima. Tandis que les biens qui entrent et qui ressortent avec elle, soit on parle des Nirsé Milog, dont le keren, le capital, reste à la femme, et que le mari a juste le droit d'exploiter sans garantir les différentes d'évaluation, d'accord. Donc, le fait que le prix a baissé, le mari ne doit pas le garantir. Alors, ces biens-là, puisqu'ils étaient dans la chazaka de la femme, c'était la femme qui les détenait en réalité. Elle avait le capital, et le mari avait un droit d'exploiter. On a un doute, est-ce que le mari les a reçus ou pas? Eux aussi restent dans leur chazaka du côté de la femme, et donc ils restent Bechezkat Yorshe Ha'av. Ça, c'est un problème. On ne parle pas de père ici. On parle de mari et de femme. Il faut dire Bechezkat Yorshe Ha'em. Retenez juste qu'il faut dire Bechezkat Yorshe Ha'em. Il y en a d'ailleurs, qu'il y a des Mishnayot qui avaient écrit Bechezkat Yorshe Ha'isha. Le feu qui est marqué Yorsha Av, c'est un problème, parce que on a la même Mishnah qui se retrouve dans Yevamot, et là-bas il y avait besoin d'expliquer Av, donc on a réutilisé le même terme. Concrètement, retenez juste, Bechezkat Yorshe Ha'isha, il reste dans la possession de la femme. Soit, en réalité, si maintenant on met un petit zoom sur les différents biens concernés par la Ktouba, où il y a un différent, dès qu'on va commencer à réfléchir un petit peu sur les biens, on va réaliser qu'en réalité, il y a des biens qui sont que la femme détient, que la femme détient et que le mari exploite. Il y a des biens que le mari détient, mais qui sont préposés à être payés à la femme en cas de problème. Et il y a un autre problème, c'est les Nirsé Tson Barzel. On va en parler juste après. Pour le moment, d'abord, on va prendre les deux cas de la Mishnah de la suite. On va laisser le mot Nechassim Rezkatan de côté. On explique juste. La Ktouba, dans ce cas-là, on a un safek, on a un doute.
Est-ce que je dois, est-ce que le pauvre mari qui est parti, est-ce qu'il a un devoir de payer la ktouba? Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui détient l'argent. Peut-être qu'il ne doit pas d'argent à sa femme. Peut-être que oui, peut-être que non. Dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? Il reste en possession chez lui. En l'occurrence, il reste dans la propriété du mari. Donc, continué par les frères du mari, ou les cousins, ou le père du mari. Et de l'autre côté, on a les nirsemilog. Nirsemilog, qu'est-ce qu'on a dit? C'était les biens qui appartiennent à la femme, mais que le mari a un droit d'exploitation. Peut-être qu'ils ont changé de propriété, que la femme est décédée avant, et donc le mari l'a hérité. Mais peut-être que non. Dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? Mursak, on les laisse chez les héritiers de la femme. Et maintenant, on a une phrase bizarre qui va nous dire Nechassim Becheskatan. Nechassim Becheskatan, c'est une phrase. Les biens restent dans leur possession. De qui? Mari ou la femme? De quel bien tu parles? Alors, la Miragma explique qu'on parle en réalité de Nirsetson Barzel. Et qu'il y a en réalité un doute, on ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, ils se le partageront. Pourquoi? Pourquoi d'abord on a un doute? On a dit que les Nirsetson Barzel, ce sont ce qu'on avait appelé par exemple les draps. Ou tout le linge de maison que la femme fait entrer. Lorsqu'elle le fait entrer, maintenant je me suis marié, j'ai reçu tout un trousseau de choses, désormais ça m'appartient, j'ai le droit d'en faire ce que je veux, je peux le déchirer pour me frotter les vitres de la voiture, ou de la maison aussi, et d'accord, je fais ce que je veux, et puis ensuite, juste en cas de problème, il faut que j'assure que je la rembourse. Il s'avère que pour le moment, regardez, ces biens-là, on dirait qu'ils m'appartiennent, c'est juste que j'ai un devoir de les payer en cas de problème. C'est exactement là le doute de la Gemara. Est-ce qu'on considère qu'ils appartiennent complètement au mari? Donc dans ça là, c'est le mari qui est mursak. Et s'il y a un problème, il doit payer. On ne sait pas ce qu'il a le devoir de payer, donc bah dans le doute, il ne paye pas. Donc il reste avec les biens. Ou est-ce que non, au contraire, ils appartiennent à la femme. La femme les met à disposition du mari. Mais en tout cas, il reste malgré tout la propriété de la femme. Donc ils sont encore là, présents. Donc on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? Sur cela, Beth Hillel pense qu'on pourra couper la poire en deux. D'accord? L'avis de Beth Shammai maintenant, il n'a pas été expliqué davantage. Je pense que c'est lié à la Mishnah précédente, ça reste sur le même principe. Selon Beth Shammai, Shtar Aomed Likvot Kegavui Damé, le fait qu'on a un contrat qui fait et qui engage, fait qu'on détient déjà les choses. Alors dans ce cas-là, on va se retrouver dans une situation où finalement, la femme, elle a, au cas où le mari est décédé le premier, alors c'est elle qui est devenue Mourzeket, c'est le côté de la femme, les héritiers de la femme, ils auront une mainmise forte sur les biens du mari puisqu'ils ont un contrat qui l'engage. Et de ce fait, ça fait que le doute, il est beaucoup plus violent. On n'a pas une situation où finalement, je détiens et jusqu'à preuve du contraire, je ne te paye pas. On ne sait pas c'est qui détient, puisque c'est possible que c'est elle qui a déjà tout arraché, parce que le mari est mort avant, et peut-être que finalement, la femme elle est décédée avant, on ne peut pas partir selon le mari karma et tout ça. Je suppose que c'est lié, je ne l'ai pas vu explicite, mais en tout cas, voilà. On a fini la Mishnah, on va à présent le Bartenora. Haïcha metatrila. Alors, ça c'était les héritiers du mari qui prétendaient que la femme est décédée la première. Et de ce fait, les héritiers de la femme n'ont rien du tout. Puisque le mari est mort en deuxième position. Et il a de ce fait hérité la femme. Tous les biens qu'elle avait la femme, toutes les ktoubot et tout ça, tout appartient au mari. Tandis que, le partenariat n'a pas rallongé, il a juste situé la situation, et puis après il passe maintenant au dîme de Beth Shammai. Beth Shammai, Yachloku, et Beth Hillel Omrim, ils ont, selon Beth Hillel, Nechassim Bechaskatan. Alors là, il y avait la phrase bizarre, on ne savait pas de quel bien on parle, qui reste dans leur possession. De quoi on parle? Nirset Son Barzel, ce qu'on appelle les Nirset Son Barzel, il y a une raison pourquoi on appelle ça comme ça, on ne va pas rallonger dessus. Nirsetson Barzel, ce sont ces biens-là, en particulier le trousseau qu'on appelait, que la femme fait entrer, que le mari peut exploiter. Beches Katan, ils restent en leur possession. Velo Pirshu Beth Hillel. Et Beth Hillel n'ont pas explicité. Ibeches Kat Yorsha Isha, s'ils restent en possession de la femme, Shayushala, puisqu'ils lui appartenaient à elle. Ibeches Kat Yorsha Abal. Ou bien non, plutôt ils sont en possession des héritiers du mari, pourquoi? Shachariyutan Alav. Car c'est à eux de les. C'est au mari de les garantir. Donc de ce fait. C'est comme si qu'il les avait déjà acquis, qu'il avait juste un devoir de les rembourser. Et le cas, Nirsetson Barzel, c'est pour cette raison que les Nirsetson Barzel, cette partie de la Ktouba, devront se la partager entre les deux parties. Les Ktouba Tisha, par contre, l'histoire de la Ktouba Tisha, la Ktouba de Shemane Mataim Vetosafot, Nisharim Bechasket Urshabal, qui sont le Mané, les 100 zouz ou les 200 zouz avec les ajouts que le mari s'engage de payer à la femme en cas de problème le jour de son mariage, alors cela, il reste
Nisharim bechaskat yorsha abal, ils restent en possession des héritiers du mari. Tandis que les biens qu'elle fait entrer et sortir, de quoi? Hem nirse milog, c'est ce qu'on appelle les nirse milog. Que lorsqu'elle se marie, nirnasi mima, ils entrent avec elle, mais ils restent en sa possession. Et lorsqu'elle ressort, elle les récupère. Im pachatu pachatula, et si ils ont diminué, ils auront diminué pour elle. Vim otiru otirula. Et s'ils ont augmenté de prix, alors au tirola, ils ont augmenté pour elle aussi. Elle ou elle, c'est déjà de ce fait, puisque la garantie, c'est le paramètre qui nous permet de définir à qui ils appartiennent. Si le mari n'a pas à les garantir, ils appartiennent entièrement, donc ça signifie qu'ils appartiennent entièrement à la femme. De ce fait, elle ou elle, Bechaskat Yorsha Isha, ces biens appartiendront à la femme. Et dans, ils resteront en possession des héritiers de la femme. Il s'avère donc que si on récapitule, les héritiers de la femme prendront tous les biens, tous les nirsei milog, et aussi la moitié des nirsei tzon barzel, et le mari ne payera pas la ktouba et prendra aussi la moitié des nirsei tzon barzel. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov, selah.